J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis extrêmement contente de cette vidéo. Vous savez que je suis une grande fan de tests, que ce soit de nourriture, de marques, de plein de choses. Je me suis dit qu'on allait s'attaquer à quelque chose de très spécial. Kim Kardashian a lancé sa marque il y a un petit bout de temps maintenant, Skims. Donc c'est une marque de lingerie, un petit peu. Ça a commencé comme ça. Elle voulait faire un petit peu des sous-vêtements qui étaient seamless, qui se voyaient pas, des matières assez spéciales, des couleurs nude, adaptées à toutes les morphologies, toutes les carnations, et ça a été lancé en 2019. Il faut savoir qu'à la base c'était pas du tout disponible en France. Je sais que maintenant je crois qu'aux Galeries Lafayette on peut retrouver quelques pièces de la marque. Pour vraiment tout voir, il faut aller sur internet. Sauf que le gros point négatif, c'est que ça coûte très très cher. Mais genre très très cher. Quand on veut quelque chose Skims, on se pose la question plusieurs fois avant d'acheter, croyez-moi, parce que ça coûte une blinde clairement. J'ai décidé dans cette vidéo de commander absolument tout ce qu'il y a sur le site pour tout tester. À la base je voulais commander sur le site de Skims, sauf que je sais que je vais avoir des frais de douane de malade parce que ça va être une énorme commande. Donc je vais commander sur le site de Net-a-Porter parce qu'en fait ils ont énormément énormément de choses. Bref, maintenant on peut s'attaquer à la commande. Je pense qu'on va faire par catégorie. Il y a lingerie, sport et vêtements. En vrai j'ai envie de commencer par vêtements, je pense que c'est mieux. Déjà ces trucs pilou pilou là, j'ai trop envie de tester, j'aime bien ça. Quelle couleur? En blanc. Ouh, une réduction, ça me plaît, -50%. Noir j'aime pas trop, mais le rose il est pas mal en plus d'être en réduction. Ah bah il n'y a plus ma taille, ok, comme ça c'est réglé. Ajouter au panier, mais du coup il faut prendre le haut qui va avec. Putain, il n'y a plus ma taille. En vrai j'aime pas le haut. Le débardeur comme ça, moi j'ai pas de poitrine, c'est trop moche sur moi. On va prendre un autre haut en pilou pilou. Alors on va tester avec la petite polaire en ma taille, on va voir si c'est bien. Parce que 81€ le pull de pyjama. On a ces ensembles un peu en velours. Ça j'adore. Je vais péter un câble. Y a plus ma taille. Non mais on va avoir un problème pour cette vidéo. J'ai bien envie de tester l'ensemble boxer soutien-gorge. Je pense qu'en crème c'est pas mal. Ah non, en noir c'est mieux. Ok, donc là on a le boxer en noir. J'aimerais bien le soutien-gorge si ça vous embête pas. Ah, ils ont pas le soutien-gorge. Donc j'aime bien ce legging. C'est plutôt pas mal je trouve. Allez hop, en S. Il y a la brassière qui va avec, donc on va la prendre aussi. Robe, bon il n'y en a qu'une seule. Robe nuisette, c'est pas un peu bizarre de dormir avec ça? Ça doit coller de ouf à la peau. On va aller dans lingerie maintenant, en vrai c'est ça qui m'intéresse le plus je crois. Alors là, là il y a tout ce que j'aime. Déjà ça, pyjama. Alors est-ce que c'est l'ensemble? Ah ouais c'est l'ensemble. Alors ça j'ai trop hâte de tester. Je pense que sur moi le marron foncé sera plus joli. On va prendre du S. Alors ça j'adore, je suis trop contente de tester. J'aime bien aussi cette couleur un peu blanc cassé. Allez hop, on prend. Ça j'adore, j'adore, j'adore. Mais juste c'est un marron, c'est un moutarde de truc. On va tester. Alors là les sous-vêtements ça va être galère parce qu'il y en a une tonne. Je vais prendre le beige classique pour ma couleur de peau, je pense que ça fera bien. Je vais la prendre en S. Et je vais prendre avec la culotte tanga en S. Je vais prendre, parce que j'ai pris le soutien-gorge déjà en noir, le string avec. J'ai bien envie aussi de prendre le legging en blanc. Et même le débardeur. Si c'est des bons débardeurs, des bons basiques, c'est aussi cool d'en avoir. Ce soutien-gorge avec une culotte taille haute. Et je trouve ça pas mal comme ensemble. Je pense que je vais commander. Brassière triangle effet cache-cœur. Et ça m'a l'air pas mal, donc je pense que je vais commander aussi avec le petit string qui va avec. Après il y a plein de trucs, je sais d'avance que ça va pas du tout m'aller, genre les bandeaux comme ça, pour me rendre encore plus plate, y'a pas mieux. Ah ça j'aime bien hein, le soutien-gorge, mais pas sûr que ce soit très flatteur sur moi. Bah écoutez, on peut tester hein. Bon, il y avait des trucs que je voulais rajouter, mais il y a pas forcément ma taille, donc on va aller voir notre panier. Pour l'instant j'en ai pour 1217€. Croyez-moi, avant même d'être prélevé sur mon compte, il y aura un retour pour Net-a-Porter fait. Ah mais c'est pas du tout terminé, j'ai loupé des pages. Oh non, mon porte-monnaie. Oh, j'aime bien ce petit body seamless. En plus il y a ma taille, donc let's go. Bon, récapitulatif, nous sommes à 1377€. Bref, je vais arrêter d'y penser et nous allons procéder à l'achat. Écoutez, j'ai hâte déjà de vous retrouver quand j'essayerai mes petits ensembles, mes petits trucs. En vrai, j'ai trop hâte de tester. On se retrouve très vite. Bonjour,
on est quelques jours plus tard, j'ai reçu mes commandes. Parce qu'il faut savoir quand même que j'ai commandé un deuxième colis parce qu'il y avait une tenue que je voulais absolument tester, qui n'avait pas sur Net-à-Porter. Et donc j'ai commandé sur Galerie Lafayette. J'ai reçu mes deux commandes le lendemain du jour où j'avais commandé, ce qui est dingue. J'ai trop hâte de m'ouvrir, j'ai trop hâte. J'avais pas le temps de filmer cette vidéo avant. Ça fait genre plusieurs jours que je me vois ces colis, que j'ai trop envie d'ouvrir. Donc on va faire ça maintenant. Déjà, il faut savoir que les colis ne sont pas du tout lourds. Ce qui me déçoit un petit peu vu le tarif que j'ai mis. C'est biodégradable. Très bien. Alors ça, je valide totalement. Bravo. Oh bah, on me respecte pas. C'est des gens qui ont déjà essayé et qui ont bah du coup reçu le truc ouvert. Et en fait, ils doivent pas avoir d'autres emballages pour les mettre. Donc ils renvoient comme ça, genre c'est déchiré. Ça, on me l'a carrément mis dans un sac. On va essayer le boxer string soutien-gorge. 43€ le soutien-gorge, 24€ le string et 44€ le boxer. Ok, j'arrive. Premier ensemble avec le boxer. J'aime beaucoup. La matière, c'est hyper confortable. Et je trouve que ça me va bien au niveau de la taille. J'ai tout pris en S. Le soutien-gorge est un peu petit parce que je suis un petit peu large. Ce qui est à noter, c'est qu'il y a quand même pas mal de crans ici. Et heureusement, parce que sinon, il y a une... ça aurait pas été à ma taille. Après, de là à payer 45€ pour ce boxer par exemple, non, franchement non. Le soutien-gorge, oui, par contre il est vraiment très confortable, donc oui et non, même si c'est très cool. Après, si vous avez 45€ et que vous voulez un bon petit shorty pour dormir et tout, je vous le conseille quand même. On a un problème, je vais me faire censurer par YouTube, je viens d'y penser. Ah, comment je vais? C'est pas mon style, c'est taille haute, mais c'est taille plafond carrément. C'est très taille haute. Après, moi qui n'aime pas forcément les tailles hautes sur moi, je trouve que ça va bien. La coupe est bonne, on va dire. Mais voilà quoi, c'est taille... Si vous cherchez un taille haute qui va trop bien, je conseille. Ça par exemple, je sais que je le garderai pas du tout quoi. Jamais de ma vie je vais mettre ça. Voilà. Prochain essayage, on essaye l'ensemble avec le legging et la brassière. Donc le legging, il est à 68€ et la brassière à 38€. Rien que ça. C'est la deuxième tenue que j'essaye et je trouve qu'elle est vraiment forte, cette Kim Kardashian. Quand j'essaye des vêtements près du corps, c'est rare que ça me mette en valeur, on va dire. Et là, mais c'est le genre de truc, je vous jure, c'est impossible à trouver. Alors, l'ensemble, je trouve ça pas mal. Le seul truc, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. C'est hyper épais, c'est genre du pilou-pilou. Donc ça tient hyper chaud. Mais je trouve pas, enfin, comme c'est épais, le fait que ce soit un legging, t'as envie de faire ça, genre, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça toute la journée pour le remonter, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça, j'aime pas trop. La brassière, je trouve qu'elle elle est assez, franchement elle est nickel. J'ai tout pris en S, non j'ai pris du XS en brassière. Ah ouais, c'est ouf que ça vaille. La couleur, j'aime bien, je trouve que ça va assez bien, ça aplatit un peu les fesses, on les voit pas mais j'aime bien. Prochain ensemble, on l'attend tous, c'est les pilou-pilou blancs. C'est iconique chez Skims. Donc on a le pantalon qui a 104€, le short qui a 68€ et le haut qui est à 80€. Donc on va essayer ça, voir si ça va. Tadam! Je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai un espèce d'ensemble un peu comme ça, Uniqlo, que vous voyez souvent dans les vidéos et donc qui est 10 fois moins cher. Mais alors là, la douceur, je suis vraiment choquée. Genre c'est extrêmement doux. Petit haut, tout simple. En revanche, ne levez pas les bras sinon vous êtes nus. Pantalon avec aux chevilles un petit peu l'effet resserré là. Il y a ici des cordons. Je sais pas trop comment on est censé les mettre. J'aime bien, mais c'est trop cher pour ce que c'est. Là, pour cet ensemble, c'est hyper cher. Je vais essayer avec le short et on va voir. Ça me met pas du tout en valeur. Ça me fait un petit ventre en bas, enfin un peu gonflé. Franchement, cette bande là, c'est confortable. Mais là, on est sur un truc qui met pas du tout en valeur quoi. Pas du tout. Alors ça, je valide pas du tout. Bon, cet ensemble, c'est du semi-validé. Hein. J'aime bien le haut, j'aime bien le pantalon. Le short, ça va pas du tout. Mais quand même, ça reste trop cher. Le soutien-gorge 38€ et la culotte 21€. Ça me met vraiment en valeur. La brassière, donc il n'y a pas de coque ni rien. J'aime beaucoup. C'est hyper beau. Même la couleur est jolie. Et ça, c'est vraiment seamless. Enfin, c'est hyper fin. Et derrière, c'est aussi joli. Ça rend bien. Donc, ça, je valide grave. J'adore! Et j'avais tout pris en S. Juste après, j'ai envie d'essayer l'espèce de peignoir. C'était la couleur que j'aimais pas trop, mais je voulais quand même essayer. Il est à 92€ et je l'ai pris en S. Alors, la couleur, comme prévu, j'aime pas du tout. Donc ça, c'est un grand non. En revanche, la coupe et le confort, incroyable. Mais c'est dingue, c'est un nuage, tout est un nuage. Ça tombe pile au bon endroit, je trouve. Ça met bien en valeur. Bon, il est froissé de ouf, mais globalement... je trouve ça trop bien, je me dis ça en noir. Mais le soir, t'es dans ton canapé comme ça.
Si vous voulez un truc hyper confortable, je peux vous dire que vous pouvez investir 92€ dedans si vous avez les sous, sinon voilà. J'avais acheté deux pyjamas. Il y avait un espèce de lavande hyper clair, pastel et un marron. Donc ils sont à 139€ l'ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va, mais ça va pas. J'ai tout pris en S. On se dit, tout va bien. Jusqu'à que tu t'aperçoives que je fais 1m73. Ça va en dessous de mes pieds, genre. Imagine si t'es plus petite, ce qui normalement est le cas, parce que pas tout le monde ne fait 1m73. Mais c'est pareil, c'est un sarouel, genre. Le pantalon, il est vraiment horrible. Genre là, c'est pas normal. Sinon, le confort, c'est du délire. Mais la coupe, ça va pas du tout, quoi. Ça, je recommande pas. En matière de coupe, à moins que vous trouviez votre taille. Ok, alors là, mystère. Je l'essaye en marron. Où est Sarouel? Trop bizarre. Et la longueur, c'est long, mais c'est moins long. Genre, c'est long stylé. Je sais pas si on se rend compte. Et c'est bien du S à chaque fois. Je trouve ça trop beau en marron. Je ne comprends pas ce qui s'est passé pour la taille. Mais sinon, je valide. Venez, on essaye le body. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un body qui a une forme incroyable, une coupe incroyable. Le seul truc que je dirais, c'est que ça me sert un peu trop ici. Mais bon, on a compris que j'étais large, c'est bon. La matière est ouf, la coupe est vraiment parfaite, je trouve. Même au niveau d'ici, derrière, c'est en string, voilà. Mais 80€, alors que peut-être que ça sera pas exactement la même coupe. Mais des bodys comme ça, on peut en trouver pour vraiment, pour le coup, 10 fois moins cher. Donc jamais de la vie, je dépenserai 80€ dans un truc comme ça. Donc c'est un non, mais c'est un oui pour le produit en lui-même, qui est vraiment très très cool. On va tester l'ensemble de sous-vêtements. La culotte, c'est un tanga à 26€, et le soutien-gorge qui est à 62€. Donc nous avons le soutien-gorge très 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 transparent, et en fait je suis hyper contente, parce que vraiment vous pouvez pas savoir à quel point ce genre de forme avec des baleines ici, moi c'est, ça n'existe pas, genre ça ne me va pas. Et là ça me va, et juste ça me rend hyper heureuse, parce que du coup ça veut dire que je peux mettre ce genre de forme que je n'ai jamais trouvé ailleurs. Donc je suis hyper contente. La couleur, c'est pas non plus mon style, mais je pense que bronzé c'est trop beau. En fait la culotte, bon déjà elle est très très taille haute, c'est pas hyper dérangeant, mais il y a un truc que je déteste, c'est que derrière là il y a des bandes en gros anti dérapantes, quoi, parce que je pense que c'est tellement fin que ça doit un petit peu glisser, voilà. Mais pour le coup ça, vous pouvez être sûr que je garde, parce que bah comme je vous ai dit, j'arrive jamais à trouver. Donc peut-être en changeant la culotte, mais le haut il est ouf, vraiment ouf. Ensuite on va essayer l'ensemble blanc. Alors c'est la même chose que le tout premier que j'ai essayé avec le boxer, sauf que là j'ai pris du coup un débardeur et un legging. Comme ça on essaye un petit peu tout. On est toujours sur le même problème de transparence pour le haut. J'ai essayé avec le legging et il est pareil, hyper transparent. N'oublions pas que je suis grande, donc je trouve ça déjà assez long, parce que là je l'ai remonté. Donc je me dis, quand tu prends un S, enfin je sais pas, je trouve ça long. Le débardeur il est bien, mais la matière, enfin c'est transparent, c'est hyper fin, 40€ pour ça, mais jamais de la vie, quoi. Ça me met ni en valeur, ça taille pas super bien, la coupe elle est pas ouf, et c'est hyper fin, enfin c'est pas, ça fait pas quali, quoi. Donc je valide pas du tout. Prochain essayage, brassière triangle, ça s'appelle, en taille S, qui est à 38€, et le petit string à 22€, en sachant que c'est censé être un truc hyper fin. Alors, c'est chelou, parce qu'on dirait un maillot de bain. Ce que j'aime bien, c'est que tout est ajustable, derrière, les bretelles, vraiment tout. Je trouve quand même que ça fait trop maillot de bain, donc je vois pas trop l'intérêt. Enfin, je comprends pas trop le principe de ce truc au final. Ouais, j'aime pas trop. Pour le bas, ça reste la même matière que les autres, là, la hyper fine et hyper confortable, mais sans plus, je comprends pas trop le délire. Donc je dirais, je recommande pas. Inutile, quoi, inutile. Je vais essayer le truc que j'attendais le plus. C'est l'avant-dernière pièce de cette vidéo. C'est un ensemble avec un peignoir. C'est la même matière que le pilou-pilou beige qu'on a essayé. Et c'est le short avec un débardeur et un peignoir. J'en rêvais. Depuis que sa marque existe et qu'elle a sorti ça, je rêvais d'essayer ce truc. J'adore. On a notre long peignoir incroyable. J'adore. On a un débardeur tout simple qui est tout simple. Rien de spécial à dire, mais bon, c'est l'ensemble, donc c'est cool. En revanche, le short, c'est le même que le blanc. Et là, je le trouve toujours aussi horrible. Le peignoir, il est à 150€. C'est hyper cher. J'ai trop envie de le garder. Je vais attendre que je l'habille comme ça. J'ai une espèce de passion pour tous ces trucs, les peignoirs et tout, quand t'es à la maison. En fait, on sous-estime un petit peu trop le pouvoir de ce genre de vêtements. Bon, je parle pas de Skims, des trucs à 150€. Je parle juste de pyjamas en règle générale. Je valide si on ferme les yeux sur les prix, sauf le short. Vraiment, le short, même s'il est à 10€, je l'achète pas. Hein. Il est horrible.
Erika, il nous reste un truc à essayer. C'est un ensemble soutien-gorge, culotte. On est toujours sur le même truc. Mais à chaque fois, c'est pas du tout les mêmes formes. Et là, pour le coup, c'est vraiment censé être le basique de chez Basic. Let's go! Et voilà pour l'ensemble. J'adore, j'adore, j'adore. Ça va hyper bien. Ça taille hyper bien. Le haut, parfait au niveau de la taille. La couleur, effectivement, c'est vraiment le nude parfait pour ma peau, je trouve. Le bas, j'aime beaucoup aussi. Toujours la même matière, toujours la même chose. Avec derrière une culotte assez normale. Je suis hyper satisfaite, mais genre hyper satisfaite de cet ensemble. Ça, c'est validé, plus que validé, je suis fan. Ah, je suis contente. Oh, mais attendez, on a fini là. Je vais vous faire un débrief. Bon déjà, je tiens à redire au cas où, bien sûr, il y a des choses que je vais rendre, beaucoup de choses que je vais rendre. J'ai commandé une quantité aussi grosse pour la vidéo, vous vous en doutez, enfin je sais pas si je dois me justifier, mais merci le débit différé de ma banque. Sinon, ça coûte très cher cette histoire. La plupart, il y a eu quelques petits fails, mais sinon la plupart fait vraiment quali. C'est pas juste une impression, on voit que c'est de la qualité. J'étais vraiment surprise dans le bon sens des sous-vêtements parce qu'au niveau de la coupe, c'est incroyable. Vraiment, je ne trouve jamais des sous-vêtements à ma taille. Je me retrouve toujours avec des trucs trop grands ou trop serrés. Et là, vraiment, ça me met en valeur. Donc c'est un très gros point positif pour vous dire. Je pense que maintenant que je connais mes tailles, à l'avenir, si j'ai besoin de sous-vêtements, je n'en achèterai sur ce site parce que vraiment là, c'est... Je suis choquée. Et pour le coup, c'est quand même aussi l'objectif. Elle a toujours dit qu'elle voulait des choses qui vont à tout le monde, pour toutes les morphologies, pour toutes les couleurs de peau. Là pour le coup c'est réel et je pensais pas du tout, mais alors pas du tout. Et ça reste quand même abordable au niveau des soutiens-gorge. Alors il y en a des qui sont assez chers, mais il y en a par exemple le nude là, il est à 38 euros. Alors oui c'est un prix, mais quand on voit par exemple chez Etam, chez Intimissimi etc, c'est quand même un peu la même chose, parfois c'est même moins cher. Au niveau des pyjamas, je trouve que c'est hyper cher, enfin on sait qu'on paye pas que pour la qualité. C'est semi-validé, disons que les produits sont bien, mais il y en a vraiment pas mal qui valent pas le prix quoi, c'est... Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo test de marque vous a plu. Je pense que je vais garder une partie des sous-vêtements et je vais garder ça. Ça sera mon plaisir de la vidéo, ça sera mon excuse. N'hésitez pas, comme d'hab, à me dire en commentaire les vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne et surtout les prochains tests parce que vous savez que j'ai envie de faire des tests make-up sur ma chaîne. J'ai bien envie de faire la marque d'Ariana Grande. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, le lien est en barre d'infos. Comme d'habitude, je suis active tous les jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Mouah.